Merci de nous rejoindre dans la grande édition, Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, vol spectaculaire à Equity BCDC. Plus de 11 millions de dollars américains ont disparu des comptes de transit. L'alerte donnée dans un communiqué par la banque suscite débat dans l'opinion. La CNRF doit s'impliquer pour renforcer les enquêtes face à la psychose des épargnants. C'est l'œil du 20h à suivre dans un instant. Chasse au marché, pirates le long du boulevard Lumumba. Ce lundi à Kinshasa, les engins de l'hôtel de ville ont rasé les étalages en exécution de l'opération coup de poing. Colère de certains commerçants qui n'ont pas été avertis. Nos équipes étaient sur le terrain. Toujours à Kinshasa, un serpent de terre avale des maisons, plusieurs sans-abri forcés à quitter le reste de leurs habitations. L'érosion avale et la bataille se joue avec des sacs de sable à main nue. C'est dans la commune de Ngaliema. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons cette édition d'information. C'est dû à la retransmission en direct du briefing qui faisait le point sur le niveau de préparatif de l'accueil de sa sainteté, le pape François, annoncé à Kinshasa à la fin de ce mois de janvier. Pour commencer, des véhicules mal stationnés, des épaves ont été évacués aujourd'hui sur les emprises publiques le long du boulevard Lumumba. L'opération coup de poing initiée par l'hôtel de ville a été lancée la nuit d'hier à ce matin. Willy Atunakov. C'est aux environs de 5h du matin, c'est lundi 9 janvier 2023, après les go de l'opération coup de poing donnée par le gouverneur de Kinshasa, Gentil Ngobila Mbaka, que les agents de l'ordre, sous la coordination du commissaire provincial, le général Silvano Kasongo-Kitenge, ont débuté cette opération de grande envergure par la démolition de quelques huttes de fortune érigées au marché pirate hindou, situé juste à l'entrée de Sifoko, dans la commune de Massina, quartier 3. C'était en présence du vice-gouverneur Gérard Moulumba et de quelques membres du gouvernement provincial quinois. Dès là, l'équipe de l'hôtel de ville de Kinshasa, conduite personnellement par le numéro 1 de la capitale, a commencé sa marche de part et d'autre du boulevard Lumumba en direction du pont Matete et de Limete, en passant par Pascal, marché de la Liberté, place Kimbuta, jusqu'au pont Djili. Chemin faisant, le patron de la ville a ordonné l'évacuation des vendeurs véreux, des véhicules mal stationnés et des épaves, veillant à ce que aucun moindre aspect concerné par cette opération ne soit négligé. Une occasion pour Gentil Ngobila Mbaka d'inviter les Quinoises et Quinois au strict respect de la loi et des consignes données. Le numéro 1 de la capitale a par ailleurs rassuré que les travaux d'embellissement des emprises publiques vont se poursuivre le long du boulevard Lumumba jusqu'à l'aéroport international de Djili. Il a également instruit le commandant de la police nationale, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo-Kitenge, à veiller à ce que les vendeurs récalcitrants ne reviennent plus sur les sites déjà assainis. Justement, autour de cette opération, les avis sont divergents. Certains commerçants disent ne pas avoir été prévenus. D'autres apprécient cette mesure pour l'embellissement de la ville de Kinshasa. Jean-René Kabamba. Les engins tournent à plein régime, comme annoncé le week-end. L'opération coup de poing est entrée en exécution ce lundi 9 janvier 2023. Le marché hindou à Massina a été rasé. C'est un nettoyage pour Massina. Nous sommes contents. En colère, les commerçants se disent surpris de la chasse au marché pirate sur les emprises publiques. Nous sommes surpris, nous n'avons pas été prévenus. Nous payons la taxe. J'ai perdu 1500 briques. C'est mon seul travail. Je refuse d'être délinquant. Pour certains, la police est allée au-delà des limites indiquées. Ils sont allés au-delà des emprises publiques. Ils ont détruit nos dépôts. Il faudrait trouver où nous installer. Nous avons perdu nos biens.
Le marché hindou, véritable lieu de négoce pour l'économie informelle, le vice-gouverneur Gérard Moulumba et le commandant de la police, Silvano Kasongo, venus superviser les opérations, ont veillé au dérapage. Entre-temps, quelques commerçants tiennent le marché sans étaler les articles. Le quotidien des ménages en dépend. D'autres encore écoulent la marchandise sur la tête. Non loin de là, c'est un grand feu pour brûler les tables et autres effets du marché sous le regard des curieux. De l'autre côté, à ciel ouvert, le plus courageux récupère ce qui reste, espérant donner une seconde vie. Plusieurs maisons englouties au quartier Ngomba Kikusa à Ngaliema, c'est à Kinshasa. La progression rapide de têtes d'érosion donne la peur au ventre. Des initiatives sont nées pour livrer la dernière bataille. Eric Kabamba, Kongolo. Inexorablement, dans ces quartiers Ngomba Kikusa, Bois Dimasisi, dans la commune de Ngaliema, les habitants perdent peu à peu leur combat face à ces multiples érosions. Les uns après les autres, ces habitants doivent partir et vider rapidement les lieux avant que le pire n'arrive. Cette maison est la prochaine. Elle menace de s'effondrer depuis pratiquement quelques semaines déjà. Face à cette menace, la population mobilisée par Obed Kambale et toute sa fondation portant le même nom tente à s'organiser dans le but de protéger leurs habitations, mais ils déplorent le manque de moyens. L'ultime solution serait l'intervention rapide du gouvernement congolais, estime Obed Kambale, qui a aussi mis à la disposition des habitants de ce coin des machines tronçonneuses pour évacuer la route qui était bloquée par les palmiers renversés par la pluie. Les érosions qui menacent effectivement le quartier, et si rien n'est fait, le quartier comme on a appelé Boisdi, va disparaître sur la carte géographique de la province de Kinshasa. Alors comme l'État tarde de venir ici, radicalement, on va se prendre en charge, nous mobilisons la population à travers notre fondation. Ces habitants risquent de se retrouver tous des locataires. Un peu d'années seulement, ces quartiers ont été totalement défigurés et la population voit impuissamment la transformation s'accélérer. En nouvelle, ce communiqué officiel de l'hôtel de ville, consécutivement au communiqué du 12 septembre 2022 relatif au contrôle de la carte de résidence pour étrangers dans les entreprises ou organisations employant les étrangers et dans les résidences privées. La ville de Kinshasa informe tous les étrangers ou expatriés, adultes, étudiants, missionnaires et mineurs à partir de l'âge de 6 ans résidant à Kinshasa que la ville procédera à partir du 15 janvier 2023 au contrôle général de la carte de résidence pour étrangers. À cet effet, la ville invite tous les étrangers non encore en règle de se présenter à la commission provinciale de supervision de la délivrance de la carte de résident pour étrangers dont le siège est situé au numéro 76 de l'avenue de la Justice, immeuble Amadan au deuxième étage, concession de l'église du Christ au Congo SCC dans la commune de La Gombe pour régulariser leur situation. La ville prévient en outre qu'est passible d'une amende équivalente à 50% du montant à acquitter en sus du principal. L'étranger qui n'aura pas obtenu sa carte de résident dans le délai requis et ce sans préjudice des sanctions prévues par la législation en la matière de la police des étrangers. C'est signé Jean-Tini Ngobilamba, gouverneur de Kinshasa. Autre chose, processus de notification des nouvelles autorités dans la petite territoriale. Le vice-ministre de l'Intérieur a fait le déplacement de la province de la Tchopo afin de légitimer le nouveau bourgmestre de cette province. En image, son arrivée, commentaire Chimène Dondo. Cette mission consiste, selon le vice-ministre de l'Intérieur, à exécuter les ordonnances présidentielles portant nomination des animateurs de la petite territoriale. Nous sommes arrivés ici. C'est pour procéder à l'exécution des ordonnances du président de la République sur les nominations des autorités territoriales, c'est-à-dire les administrateurs du territoire et leurs adjoints, les maires des villes et les adjoints, ainsi que le bourgmestre et le bourgmestre adjoint. La province de la Tchopo constitue la quatrième étape après la ville de Kinshasa. Jean-Claude de Molipé fera le cap vers l'Isiro et à Bouta dans le Bas-Ouélé.
Le vice-ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de placer un mot en rapport avec le cas de la collectivité secteur de Luboya-Béra qui avait de tensions quelques heures seulement après l'ordonnance portant nomination d'une bourgmestre à la tête de cette entité administrative. Peu après son arrivée à Kisangani, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a eu une séance de travail avec la gouverneure de la Tchopo avant de présider la réunion du comité provincial de sécurité. Processus électoral, la CIME prépare ses équipes d'observateurs pour bien suivre les opérations électorales. Une formation a été lancée à Kinshasa. Serge Merlin-Matta, Raphaël Sadi, reportage. C'est en ces termes que le révérend pasteur Israël Dodokomba, président de la plateforme des confessions religieuses de la RDC, membre de la commission d'intégrité et des médias électorales, a procédé au lancement de l'atelier des mises à niveau des observateurs à long terme de la première opérationnelle du réseau d'observation des confessions religieuses. Pendant des jours, les participants à cette session de formation vont être outillés sur les enjeux éthiques de la collecte des données et l'élaboration du rapport narratif de l'observation du processus électoral en cours. Question de rassurer l'opinion par une observation professionnelle et crédible des élections et contribuer à l'acceptation des résultats électoraux. Bien avant cela, il a mis un accent particulier sur le rôle de l'observation électorale nationale dans la crédibilisation du processus électoral en cours et à la consolidation de la démocratie. Les confessions religieuses accompagnent les processus électoraux, entre autres, par le plaidoyer, la prévention, la médiation et l'observation. Voilà pourquoi, en début d'année électorale, l'Europe s'active à faire la mise à niveau des observateurs à long terme, d'abord pour la première ère opérationnelle. C'est depuis plusieurs années que les chefs des confessions religieuses ont mis en place les réseaux d'observateurs électoraux. Et c'est là, dans les soucis, de contribuer à l'émergence d'un état de droit et d'une culture démocratique en République démocratique du Congo. À la recherche du consensus, l'alliance des pros Étienne Tshisekedi wa Mulumba se positionne pour jouer un rôle majeur. Cette structure de l'opposition politique dirigée par Lisanga Bonganga s'est prononcée devant la presse. Fifi Mukundi. L'alliance de pros Étienne Tshisekedi wa Mulumba s'est dit disposée à accompagner la Commission électorale nationale indépendante, les coordonnateurs de ces regroupements des Tshisekedistes, Lisanga Bonganga l'a dit en ces termes. Profondément attaché au respect de la Constitution, l'alliance des pros Étienne Tshisekedi wa Mulumba, plateforme politique de l'opposition, prend acte du fait que la CENI, au regard du calendrier électoral qu'elle a publié, s'est conformée aux dispositions de l'article 73 de la Constitution relative à la convocation du scrutin pour l'élection du président de la République. L'alliance des pros Étienne Tshisekedi wa Mulumba, APT mon sigle, se propose-t-elle dans la recherche de l'inclusivité d'approcher toutes les parties prenantes en vue de faire avancer les processus électoraux. Dans cette démarche, il invite la population à s'enrôler. APT mon sigle demande instamment aux populations congolaises, surtout à toute la diaspora, de s'honorer massivement pour participer au vote. À travers ces initiatives, l'APTM a tant contribué à la réussite de l'organisation des élections prochaines. Pour se choisir ses propres dirigeants, il faudrait s'enrôler pour voter. Message de Pi Gérard, encadreur des jeunes à la FUNA, après avoir accompli son devoir civique. Reportage de Sandra Walou. C'est un véritable patriote reconnu pour son sens élevé des civismes qui s'en va, en toute quiétude, répondre à ses devoirs auxquels tout citoyen devrait se soumettre pour se conformer aux fondamentaux du processus électoral. Pi Gérard Elengapela, intronisé par les siens comme le défenseur redoutable du district de la FUNA, à remplir ainsi sa part en allant se faire enrôler à l'école Émergence au quartier Yolo Nord dans la commune de Calamon.
ce véritable leader d'opinion, a invité la population congolaise à passer par le même exercice démocratique et à accompagner massivement tous les processus électoraux jusqu'au scrutin où il faudra opérer un choix judicieux pour l'avenir du pays. Le processus électoral caractérise l'essence même de notre démocratie. Le peuple doit se choisir lui-même ses propres dirigeants. Et pour se choisir ses propres dirigeants, il faut passer par l'acte de l'enrôlement, de la prise de sa carte d'électeur. Elle est bel et bien là. Je me suis acquitté de ce devoir, un devoir citoyen, un devoir civique, pour lequel je demande à tous les Kinois et à tous les habitants de Founa, à tous les habitants de Kalamu, de venir s'enrôler pour que chacun puisse avoir sa carte d'électeur. Que tous les potentiels électeurs saisissent donc cette occasion ultime, qui reste l'une des conditions sine qua non pour participer effectivement au vote des dirigeants. Sensibilisation à l'identification et à l'enrôlement des électeurs à la Tchangou, le développement social de ce coin de Kinshasa est porté par les natifs de ce district, indique Nico Saka. Il est un des notables. C'est un exercice à la fois patriotique et civique auquel s'est employé maître Nico Sakakabamba, sensibiliser la population du district de Tchangou sur l'importance de l'opération d'enrôlement en perspective des prochaines échéances électorales. En compagnie des membres de l'association Les Amis de Nico Saka, ces notables ont mobilisé bon nombre de citoyens présents ici au centre Don Bosco en prêchant lui-même par le bel exemple un véritable leader social. Je suis venu accomplir un acte civique qui me permettra dans les jours à venir de voter. Alors, j'invite massivement tous les habitants de Tchangou, les amis de Nico, tout le monde, de venir s'enrôler et puis obtenir leur carte d'électeur. L'occasion faisant les larrons, c'était également le lancement officiel de la plateforme Les Amis de Nico Saka, structure qui s'est assignée comme mission principale le développement social du district de Tchangou. Comme nous prenons le développement intégral, c'est pourquoi j'ai pris cette initiative de me lancer pour enfin donner un coup de pouce pour notre commune. Pour couronner le tout, les activités sportives étaient au programme, notamment des rencontres de football, des basketball qui bénéficient déjà du parrainage de celui que l'on a rebaptisé les messies de Tchangou, en l'occurrence Nico Saka. La remise des enveloppes aux équipes participantes a sanctionné cette activité. On termine ce chapitre à Kindu. Innocent Baloumedi Inosbi a donné un grand concert dans cette ville avec une grande mobilisation pour des messages de sensibilisation à l'enrôlement. Iverson Kabouaba. À quelques mois seulement de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, les états-majors de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sensibilisent déjà les futurs électeurs à l'enrôlement pour pouvoir mieux préparer les élections. C'est le cas du député provincial Oman Abitika Pascal, proche collaborateur de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, était devant la population de la ville de Kindu le samedi dernier au concert musical de l'artiste et musicien Innocent Baloumé pour parler de Félix-Antoine Tshisekedi. Ses cadres du parti Mouvement Social pour le Renouveau et membres du regroupement Alliance des Démocrates pour le Renouveau et les Progrès a invité la population du Maniema à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la présidentielle de 2023. D'après lui, il est important de redonner confiance au président Félix-Antoine Tshisekedi pour qu'il achève en bonté sa vision, celle de développer le pays et d'améliorer le social des peuples congolais. Vous le savez, retiré à Kisantu au Congo central, l'UDPS a officiellement désigné Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat à la présidentielle. Cette décision est saluée par les députés nationaux du parti présidentiel. Chers compatriotes congolais, de partout où vous nous suivez, aujourd'hui nous, le membre prémisse élu UDPS au courant de la législature 2011-2018, sommes fiers d'avoir participé aux assises de la Convention démocratique du parti qui s'est tenue ici à Kisantu du 6 au 7 janvier 2023. Nous sommes fiers et soutenons toutes les résolutions prises au courant de ces assises qui a réuni toutes les matières grises du parti et soutenons la décision de présenter notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi aux élections de 2023 comme candidat président de la République,
et toutes les autres résolutions qui ont donné le pouvoir au secrétaire général pour prendre des décisions qui consistent à remettre de l'ordre au sein du parti. Nous avions félicité les discours du secrétaire général qui a rappelé les uns et les autres à l'unité, à la cohésion au sein du parti, de sorte que nous puissions reparler de l'UDPS qui a vécu dans les temps passés au moment de nos pères fondateurs. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour lancer cet appel aux uns et aux autres de nous mettre dans le rang pour la bataille à venir, de nous soutenir les coudes de sorte que les uns et les autres puissions compenser nos faiblesses par la force des autres. Nous vous remercions et nous nous engageons tous à mettre en pratique les résolutions prises au cours de ces assises. Le grand angle de ce soir, plus de 11 millions de dollars américains ont disparu à Equity BCDC, un scandale qui réveille des vieux souvenirs. Les enquêtes sont en cours pour percer ce mystère. Des experts financiers appellent à l'implication de la CNRF. Entre-temps, aucune communication officielle. Joseph Oscar Mbal, Tony Djuma. L'affaire a explosé la toile et tous les médias sérieux. Plus de 11 millions de dollars américains du compte d'espèces en transit de la banque commerciale Equity BCDC se sont volatilisés dans la nature. Les mystères restent entiers. Quelques agents et cadres de cette entreprise seraient trempés dans ce qu'il convient d'appeler détournement. En croit les communiqués publiés par cette banque commerciale, un écart a été constaté une année après la fusion entre l'ancienne Equity Bank Congo et la BCDC. 11 101 070 dollars américains et 172 500 000 francs congolais sont portés disparus. Cet écart des fonds significatifs représente 3% des fonds propres et 0,3% du total actif de la banque. Des enquêtes ont été ouvertes et quelques présumés auteurs de ces forfaits seraient aux arrêts. Quelques clients de cette banque commerciale s'inquiètent et s'interrogent. Ce qui s'est passé à la BIAC, est-ce que les gens auront tendance de croire que ça va encore se reproduire? C'est un danger. D'où, nécessairement, l'Equity Bank doit faire un communiqué pour parler et sauvegarder son image, protéger aussi sa clientèle. C'est ce qui est plus important. Et en ce qui concerne aussi la Banque centrale, c'est le moment de travailler. Nous sommes en train de chercher à créer un État fort. La cellule de renseignement financier doit nécessairement se mettre en œuvre pour traquer ces bandits qui sont en train de mettre en œuvre des plans machiavéliques. National Bank must pay attention for that situation. He must be careful because he's like the head of all the bank here in Congo. La banque centrale devrait faire attention à cette situation parce que c'est elle qui gère toutes les banques opérant en RDC. Et devrait assurer la sécurité financière au sujet des banques commerciales qui viennent s'installer en RDC. Les vols de 11 millions de dollars américains risquent de décourager les investisseurs. People who are coming to invest in the bank, they are saving their money in the Equity Bank, maybe they will run away. Du côté de la Banque centrale du Congo qui définit et met en œuvre la politique monétaire en République démocratique du Congo, qui élabore la réglementation et contrôle les établissements de crédit, les institutions de microfinance et les autres intermédiaires financiers, c'est un mutisme total. Aucune communication officielle jusque-là. Contacté par la rédaction du journal télévisé en français, Equity Bank BCDC dit attendre l'autorisation de sa haute hiérarchie, en l'occurrence les responsables basés au Kenya, pour s'exprimer. En attendant, plusieurs questions sans réponse taraudent l'esprit des clients de Equity BCDC et tout Congolais en quête d'informations. Santé, de soins de qualité pour la population de Cabaret, un bâtiment est sorti de terre. Il s'agit d'une polyclinique moderne, une œuvre sociale réalisée par Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Willy Atunako. Poursuivant sa tournée marathon de sensibilisation de la population du Sud Kivu en général et de sa base naturelle, du territoire des Cabaret en particulier, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy Mwakembe, a communié mardi 3 janvier 2023 avec les habitants de la localité de Chirunga et des environs. Peu avant, Claudine Doucy Mwakembe
s'était recueilli devant la tombe de son regretté frère aîné, Théodore Tshamounani, qui fut président fédéral de l'AFDC Sud-Kivu au cimetière familial de Moudoua. Elle a par ailleurs reconnu les mérites de celui qui, pendant longtemps, avait œuvré pour le développement de Kabarès avant d'inviter les filles et fils de ces territoires de suivre son exemple. Peu après cette cérémonie, celle qu'on appelle affectueusement « Mama ni Mama », c'est-à-dire « femme de grand cœur », s'est rendue à sa résidence privée où elle s'est entretenue dans une salle de fête pleine à craquer comme un œuf avec les notables, représentants des différentes couches sociales et membres des différentes organisations affiliées à la fondation qui porte son nom sur l'importance de participer massivement à l'opération d'enrôlement et de vote. Objectif, permettre à l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de briguer un second mandat avec une majorité parlementaire écrasante à l'issue des élections de décembre 2023. Faisant du social de la population des Kabarès son cheval de bataille, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale a procédé jeudi 5 janvier 2023 à l'inauguration d'une polyclinique moderne de Buhozi, localité située en territoire de Kabarès, construite et équipée sur fonds propres de sa fondation. Création de la classe moyenne en République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat et le nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ont échangé autour de cette question. C'est la première rencontre entre le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et le nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC. Eustache Moisi et Miguel Katem Kachal ont tablé en ce début d'année sur les principales actions à mener afin de permettre une parfaite collaboration entre les entreprises principales et les sous-traitants pour la concrétisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer une véritable classe moyenne RD congolaise. D'ici là, vous allez voir les actions que nous allons poser. Nous demandons aux entrepreneurs de s'approprier de cette vision du chef de l'État qui est de créer la vraie classe moyenne. Et la vraie classe moyenne, c'est eux, les entrepreneurs congolais, c'est la jeunesse de notre pays qui est le socle de notre économie future. Depuis sa prise de fonction à la tête de la RSP, Miguel Katem Kachal met les bouchées doubles afin que le vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de créer une classe moyenne, surtout parmi les jeunes, se traduise en fait palpable. On termine avec ces images des personnes de troisième âge qui ont attiré l'attention de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Cédric Kenina. Apprendre à partager, à offrir avec son cœur. Au-delà de la vocation politique, l'Union pour les valeurs tshisekédistes a tenu à faire de ses débuts de l'année 2023 une année du social à travers un élan de solidarité sans pareil. Nous sommes à la dernière étape des remises des vivres aux vulnérables. Certains sont dans des confessions religieuses porteuses d'espoir. Les cas de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Ben Kadé Kabontou, vice-président de l'UVT, ville de Kinshasa en charge de la communication, mobilisation et implantation, parle de cet élan de solidarité. Bien plus, cette chaîne de solidarité. Disons merci au chef de l'État, lui qui n'aménage aucun effort pour que règne la paix. Nous les rassurons que l'Union des Églises indépendantes que dirige son éminence Nzinga est derrière lui et nous les soutenons. Et au président de l'IVT, nous disons que nous sommes ensemble. Nous sollicitons que la grâce de Dieu, que le bonheur puisse l'accompagner. Parce que l'IVT a pensé à nos frères et sœurs autochtones que nous encadrons dans notre église, de fêter avec eux. Une ronde qui s'est clôturée au camp Kabila, dans la commune de Lemba, où l'UVT a assisté les veuves de policiers. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je vous recommande la même attitude à 23h pour un nouveau journal avec José Baïtouambo à la présentation. Je reviens demain à 20h.